evening, gentlemen. We want to talk about several things. Today, we have the first Zoom meeting about the program that is named Africa Care. On a organisé cette conférence Zoom meeting. Donc, on va parler de l'instabilité à la fédération, les risques des voyages dans la Méditerranée, les voyages dans le désert des jeunes qui cherchent des meilleures conditions d'ascension sociale. On va donner quelques secrets de la réussite pour les jeunes athlètes. Et puis, on va aussi toucher un petit peu l'autonomie de l'UEFA et l'UEFA de la CAF. Le silence qui est autour du radio par le football en Europe au matin. Et est-ce que la solution, c'est de boycotter souvent ou alors il y a des meilleurs mécanismes? Mais aussi, on sait que le racisme, ce n'est pas seulement le racisme noir. On a aussi le racisme asiatique. On a aussi le racisme allemand parce qu'on a la communauté turque souvent dans le football qui est dans le foot en Allemagne. Et on sait aussi qu'en MLS et dans certains pays européens, les joueurs asiatiques rencontrent pas mal de problèmes. Mais on fait toujours focus sur le racisme noir qui est un gros problème. Et il n'y a pas beaucoup d'athlètes noirs qui s'insurgent contre ça. Tout le monde est contre le racisme, mais il n'y a personne qui fait le pas. Maintenant, il faut savoir, est-ce que si l'Afrique du Nord ne se sent pas concernée comme une nation africaine, est-ce que les pays de l'Afrique du Nord doivent commencer à participer et rejoindre l'UEFA pour participer aux Coupes d'Europe et aux compétitions européennes plutôt qu'aux compétitions africaines? Ça, il faut le savoir. Donc, on aura besoin de vos avis là-dessus. Et est-ce que le racisme en lui-même se conforte du fait que les championnats locaux en Afrique subsaharienne, les salaires sont minables, ils sont mal organisés, ou alors c'est juste un complexe d'infériorité? Et il y a une affaire qui nous touche particulièrement. Je vais demander une minute de silence à tout le monde. La mort du joueur camerounais Albert Bossé, qui est décédé, je crois, à l'âge de 24-25 ans en Algérie, il y a 7 ans aujourd'hui. Ce coup et blessure à la fin d'un match. L'enquête n'a toujours pas donné suite à de nouvelles informations. Donc, je vais demander une minute de silence au repos de son âme. Un bref d'introduction. J'ai 57 ans, 35 en tant que coach et 18 en tant que joueur. Alors, j'ai commencé très tôt. Et par rapport à la thématique, je crois que c'est très intéressant parce que j'ai véhiculé un peu dans toutes les choses qui s'étaient dites. Surtout en Afrique du Nord, où j'ai travaillé en Tunisie une année, à l'Algérie 4 ans et au Maroc 3 ans. Après, j'étais aussi en Arabie Saoudite, c'est autre façon de faire. J'étais aussi à la République du Congo, à Brazzaville, et c'est aussi autre chose. Et maintenant, je suis au centre d'Europe, et quand on parle de racisme, ça se voit qu'elle existe, même ici au Luxembourg. C'est pas plutôt le racisme entre les couleurs, mais c'est un racisme culturel ici au Luxembourg. Ils sont habitués que les gens qui viennent ici doivent être soumis à eux. Et ils sont loin un peu. Ils sont habitués à que viennent les Portugais, qui sont les maçons, que viennent les gars de l'Espagne, qui sont je ne sais pas quoi, que viennent les autres pays, qui font je ne sais pas quoi. Mais quand vient quelqu'un qui est au même niveau, ou même vu un peu plus formé avec des formations, avec des expériences, on a du mal, moi je le sens depuis 2013 que je suis ici, on a du mal à s'imposer, et on a toujours des discriminations, on le sent, et quand on ne parle pas, moi je parle 5 langues, mais je ne parle pas luxembourgeois, alors ça ne se voit pas dans le terrain, parce que je me débrouille très bien avec tout le monde, mais au niveau des institutions, quand on arrive, ils disent moyen et nous on dit bonjour, c'est déjà un pas négatif. On doit dire moyen et après, excusez-moi, je ne parle pas luxembourgeois, c'est déjà un auto négatif. Mais ça, ici, par rapport à l'Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, sincèrement, je ne vois pas pour l'instant un chemin aller dans le sens de couper. Je crois qu'à ce moment-là, il y aura toujours des soucis au niveau de le thème qu'on discute. Je me rappelle vraiment de la situation qui s'est passée quand le joueur a été agressé à la sortie du terrain pour le vestiaire avec un caillou et après le décès. C'était en Algérie, mais l'Algérie, c'est comme le Maroc.
quand il y a des matchs gagnants ou matchs perdus, surtout dans les grandes équipes comme le Raja et l'OAC, Casablanca par exemple, si vous avez la voiture, si vous êtes dans la rue, ceux qui perdent, une fois c'est Raja, une fois c'est la culture de chaque personne, de chaque pays. Et moi, je crois que pour combattre le racisme, ça doit commencer à l'école. Et on aura besoin de 50 ans pour que la première génération et la deuxième, c'est question de culture, c'est question d'imposer ça à l'école. Parce qu'à les âges, moi, je vois, moi, je n'ai pas de problème. Je suis né comme ça, mais pour moi, ça, ce n'est pas un problème. J'ai des gens dans ma famille qui sont d'autres couleurs, de la famille, tout ça. Pour moi, je suis habitué à vivre. Mais je vois qu'il y a du monde, que surtout quand vient quelqu'un qui n'est pas de la même couleur, même en Afrique, et qui s'impose par les choses que Dieu l'a données, par l'intelligence. Tout le monde est habitué à qui n'est pas blanc, n'est pas intelligent. Ça, c'est pas vrai. Il y a des grands Einstein, d'autres couleurs, d'autres nationalités, d'autres. Mais c'est toujours un problème, moi, je pense, culturel, et qui doit se combattre déjà dans les bébés, quand ils commencent à aller à l'école, à la maison. Ça doit faire un changement, et je ne vois pas la FIFA avec les mécanismes de combattre. Ça se fait un boom quand ça arrive, mais après, petit à petit, tout le monde se cache et le sujet, il décède, jusqu'à une nouvelle occasion que ça revient. Et c'est toujours comme ça. Si vous regardez, la UEF et la FIFA, ils ne font rien, il y a des grands papiers, fair play, tatati, ça c'est marketing, c'est pour blablabla. Bla, bla. Parce qu'effectivement, quand on a besoin de prendre le taureau et le faire comme ça, il y a tout le monde qui se cache. Manuel, comment expliquer que les principales victimes elles-mêmes souvent ne prennent pas les devants des réclamations ou alors de lutter contre le racisme? Après les scénarios, elles font comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que il y a certaines personnes qui sont dans certaines positions de pouvoir qui n'ont pas passé, puisque moi j'ai dit à l'école, la formatation dans la vie de prendre. Moi je donne souvent les exemples quand je suis avec des gens et on discute. Des fois ça arrive des thèmes comme ça. Moi j'ai dit, vous prenez un blanc, vous prenez un qui n'est pas blanc, vous le mettez dans la même famille où il y a tous les moyens et peut-être celui qui n'est pas blanc, il va réussir plus facile que l'autre qui est blanc. Ça, c'est question culturelle. Et bonjour à tous encore une fois de plus. Je crois que je pense aussi comme Mr. Manuel, dans un certain sens où, je vais prendre un exemple. Quand nous sommes petits, on nous prend des exemples sur des Européens. L'histoire africaine n'est pas donnée aux Africains. Et eux-mêmes également se dénigrent au point où celui qui est en face de vous, vous prend tel que vous êtes. Et ça fait que même dans nos écoles, pour nous mettre nous-mêmes d'abord en valeur en tant qu'Africains, si je peux parler d'abord de racisme africain, il faut que cela commence d'abord à avoir des identités africaines, à savoir que dans le football, l'icône mondiale, ce n'est pas, je peux prendre peut-être Zidane pour toi, mais c'est Drogba, c'est Eto'o, c'est Abedi Pelé. Prendre ces exemples, qu'au niveau mathématique, qu'on enseigne également aux enfants, que vous avez des icônes proches de vous, vous pouvez également dit qu'un jour, je serai comme Abedi Pelé. Un jour, dans la science, je serai comme tel Africain. Je serai comme tel. Là, ça te donne une certaine valeur et tu grandis avec ces valeurs et non avec un complexe assez d'infériorité par rapport à une autre personne. Maintenant, quand nous arrivons souvent dans un autre lieu, nous nous rabaissons déjà d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire, nous voulons des choses qui sont très basses. Alors que celui qui est en face de nous nous sent capable de certaines choses. Et alors, ça peut amener également celui qui est en face, quelle que soit la couleur, à nous prendre aussi bas. Mais maintenant, dans le cas général, le racisme est fait, comme M. Manuel disait, de culture. La culture même façonne un peu le racisme. Tu arrives en Turquie, il faut que tu parles le turc, il faut que tu commences à agir comme un turc. Sinon, bon, si tu n'aimes ni Fener, va chez ni Galatasaray, tu es mis de côté. Tu n'es pas vraiment considéré que tu sois blanc ou noir. Bon, la seule différence, si on peut dire, avec le blanc, c'est que quand il arrive, il est un peu confondu. On ne voit pas vite qu'il n'est pas de l'endroit jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Mais nous, on nous voit directement, on nous voit vite. Mais sinon, c'est un problème qui est très profond. Et pour le résoudre d'un seul coup,
toutes les choses qu'on entend souvent, comme M. Manuel disait, je suis parfaitement d'accord avec lui, sont des choses un peu pour nous distraire, pour faire comme si on était vraiment concerné par ça. Ça fait un boom et puis ça baisse. Et puis après, ça disparaît. Ça fait du marketing, ça fait beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas négliger également ça, parce que si on se tait, ça va empirer. On ne peut que le ralentir et le maintenir à un certain niveau. Mais dis que tu es le racisme, il faut commencer au niveau de l'école primaire, au niveau de la base, au niveau de l'âge bébé pour inculquer ça. Mais pendant ce temps, les solutions qui sont là, comme par exemple sortir d'un match quand ça ne va pas, ce sont les solutions pour que le prochain match qui va suivre, le mois qui suit, la personne qui devait subir ces choses ne la subisse pas. Mais deux mois après, un autre va encore subir. Mais ce sont seulement des solutions qui peuvent aider, mais qui sont momentanées et passagères. Voilà, provisoires. Mais on peut encore davantage durcir cela afin que le provisoire soit un peu plus prolongé. C'est-à-dire, si ça mettait un mois, et puis si c'est que la réaction qui devait se faire, comme le monsieur qui est mort aux États-Unis, ça fait un mois, un boom là. Si on peut continuer dans ça de telle sorte que de temps en temps, si ça faisait un mois que ça se prolonge en un mois et demi, ce sont toujours des moments passagers, mais ce sont des actions qui permettront qu'on ait un peu de repos par rapport au racisme blanc, noir, rouge, jaune. Mais ça va toujours marquer un temps un petit repos, mais ça va reprendre après. Donc, comme il disait, vraiment, moi, je pense de même également, pour le finir, il faut vraiment une cinquantaine d'années. Mais entre-temps, comme le frère a dit tout à l'heure, Borba et tous les autres, ils doivent s'y mettre. Si, par exemple, Eto se mêle dans le racisme, si Ndembamba se mêle dans le racisme ce mois, Eto le mois qui suit, il faut que ça s'enchaîne. Ce que je peux penser déjà, c'est d'avoir des hommes qui aiment le football, qui aiment le football. Pas qui aiment ce que le football rapporte, mais qui aiment le football. Parce que s'ils aiment ce que le football rapporte, le football lui-même sera le deuxième amour, si on peut dire ça. Le football doit être le premier amour dans les cœurs de ceux qui veulent diriger le football. Et s'ils ont ça comme premier amour, alors le reste pourra suivre. Ils ne regarderont pas leur intérêt, mais ils regarderont l'intérêt des enfants, comment les produire, comment les mettre à l'aise et non se mettre à l'aise. Donc je crois que c'est l'une des causes. C'est ceux qui sont là aiment plutôt ce que le football produit, mais n'aime pas le football en général. Oh, bonsoir. Ouais. Mon nom est Seydou Ndao Belib. J'ai un espoir malien, international espoir malien. Wow. Oui, et j'ai joué en Turquie. Et pendant 4 ans, j'ai fait 4 ans en Turquie. J'ai joué au Qatar, j'ai joué aux Émirats Arabes Unis aussi. Et l'an passé, j'étais aux Émirats Arabes Unis. Et j'ai eu des difficultés partout où je suis passé. J'ai eu des difficultés, je peux dire, que ce soit en Turquie ou pas au Qatar, parce que je n'ai pas trop duré là-bas, mais aux Émirats Arabes Unis, j'ai eu beaucoup de difficultés. Juste la saison passée, j'ai été là-bas. C'est un manager belge, mais d'origine marocaine qui m'avait amené là-bas. Et il m'a dit de partir de là-bas jouer d'aider l'équipe pour monter en première division et quand l'équipe va être champion. Donc il y avait des conditions qu'il devait remplir. Donc je suis parti comme ça. Et j'ai joué là-bas, j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de paiement et tout. Et on a joué, j'ai joué, on ne me payait pas, j'ai joué, on me disait, chaque fois on me disait qu'ils allaient me payer, j'ai continué à jouer parce que je voulais jouer, j'avais envie de jouer, j'étais parti de là-bas pour jouer. Parce que quand on joue en premier lieu, en tant que footballeur, il faut aimer le foot d'abord, pas l'argent, donc on met le foot devant. On veut toujours jouer, même si on ne nous paye pas, on veut jouer, donc pour garder la forme, on joue. Donc j'ai continué à jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Dieu merci, on a été champion. Et j'ai beaucoup contribué aussi. Donc, on devrait me payer mon argent qui était resté avec mon salaire en plus de ça. On a été champion et on avait des primes. Et donc, ils avaient dit des primes, ils devraient nous payer ça. Ces primes-là, on ne nous a pas payé. On ne nous a pas payé nos primes. Je n'étais pas le seul aussi. Il y avait des joueurs ghanéens, des joueurs nigériens. Et j'étais le seul malien en tout cas.
Bon, en Turquie aussi, j'ai fait 4 ans là-bas. J'ai eu des problèmes là-bas aussi. Bon, ces problèmes que j'ai eu en Turquie, là-bas, en tout cas, et dans l'air, dans le championnat où j'ai joué. Il y a des nombres d'étrangers dans les clubs. Et puis, sur la liste des matchs aussi, il y a des nombres d'étrangers qu'on ne doit pas dépasser aussi. Il y a des problèmes là-bas aussi. Et des fois aussi, on nous appelle, comme dans leur langue, ils appellent les Noirs Zendi, comme ils le disent, Zendi. Bon, ces termes-là, nous, on les aimait pas, on n'aimait pas ces termes-là. Ce n'était pas moi seul. Tous les Africains qui jouaient là-bas n'aimaient pas ces termes-là. Même les étudiants qui étaient là-bas n'aimaient pas ces termes-là. Parce que ça, ils disent noir, noir. Pour nous, ce n'était pas approprié. Ils pouvaient dire africain ou autre. Mais dans leur langue, c'était Zendi. Ça signifiait noir. Ce n'était pas approprié, vraiment. Donc, ça nous faisait mal. Mais ils sont... Oui, les nègres, oui. Ouais. Donc, ils sont habitués à dire ça, noir. Bon, en tout cas, pour nous, ce n'est pas approprié. En tout cas, on n'aimait pas cela. Donc, j'ai eu ce problème-là. Bon, en tant que solution, ce que je peux dire à mon idée, et comme Mario Balotelli l'a dit, je ne sais pas si vous avez vu, il a dit que le fait de quitter le terrain chaque fois qu'on reçoit des siffles ou des cris de singes, de quitter le terrain, ce n'est pas la solution. Pour moi aussi, je pense que ce n'est pas la meilleure solution aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de cris, on m'a dit beaucoup de tactiques, mais j'ai continué à jouer, je n'ai jamais quitté un terrain de football parce qu'on me disait des trucs racistes ou on me disait des cris racistes. Je n'ai jamais quitté un terrain pour ça. Chaque fois qu'on me dit cela, je continue à jouer. Donc, comme il a dit, la meilleure façon, parce qu'on quitte ici, chez nous, en Afrique, pour aller jouer à l'extérieur, parce qu'on voit que les conditions de là-bas sont plus meilleures qu'ici. I want to ask you a question. Do you think that it's because you are an African that they behave like this, or... is because our federation or African Confederation of Football is not doing anything. You think that it's just a racist, or the club is not professional at all, or just because you are African? Do you think that if African football was better organized, things would be better, and in another country, people will respect you more? Yes, of course, of course. If our condition, or if we have a great stadium, or our federation, and make everything for players to be in a good condition. Yeah, of course, we want to be like this. They won't treat us like this. We will not leave our country to go to play there in abroad. So we play in our country for our salary or our condition here, or the team we play here in our country have a better condition than there. We won't go there to play. Okay. Je suis ravi de me retrouver avec beaucoup de personnes pour parler du football, qui est, ma foi, je crois, une chose que nous aimons beaucoup. Et tout à l'heure, Monsieur Boum disait tout à l'heure que ce qui devrait motiver tous les dirigeants du football, ça devrait être l'amour. Donc, vous savez, de mon avis personnel, je vais prendre le cas de mon pays. Moi, je suis Gabonais. Mm-hmm. Je suis actuellement à Libreville. Et vous savez, je vais parler un peu de la plus haute hiérarchie du sport au Gabon, c'est le ministre des Sports. Alors, le ministre des Sports, c'est celui-là qui donne les besoins du public sportif et des dirigeants sportifs auprès du gouvernement, parce que c'est là-bas où tout se décante. Le problème aujourd'hui du racisme, par exemple, dans le sport que nous connaissons dans le Maghreb, ou bien comme le frère parlait dans la péninsule arabique et en Turquie, moi, je pense que lorsque tu as face... On laisse le sport à côté. Lorsque tu as en face de toi un être humain comme toi, qui ne te demande rien, à la base, il y a déjà un respect mutuel qui va s'installer.